dans la capitale brésilienne où Lula da Silva a retrouvé le palais présidentiel pour un troisième mandat de 4 ans. Il a été investi devant le Congrès. Le Premier ministre Dr. Choguel Kokala Maïga, présent à la cérémonie d'investiture, a transmis les chaleureuses félicitations du président Assimi Goïta à son homologue brésilien. Récit de nos envoyés spéciaux Ibrahim Traoré et Adama Camara. Nouvel an, nouveau président pour le Brésil. Lula da Silva, 77 ans, signe son comeback à la tête du pays émergent de 215 millions d'habitants, 12 ans après avoir quitté le pouvoir à l'issue de 2 mandats entre 2003 et 2010. Son investiture mobilise une 50aine de délégations étrangères avec 17 chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui représente le président de la transition, colonel Assimi Goïta. La cérémonie se déroule en 2 temps. D'abord au Sénat, où Lula et son vice-président prêtent serment devant le Congrès, réunis en session solennelle. Dans son discours d'investiture, l'icône de la gauche s'engage à reconstruire le Brésil et réconcilier les Brésiliens. Sans surprise, il entend aussi s'investir à renforcer la coopération entre son pays et le continent africain. L'investiture d'aujourd'hui avait comme objet surtout d'écouter le discours d'investiture du président nouvellement élu de la République fédérale du Brésil, Lula da Silva. Nous aurons des échanges plus approfondis. Mais ce qu'on peut retenir déjà et se féliciter, c'est que dans son discours, un paragraphe entier a été consacré aux relations bilatérales, aux BRICS. Et ce qui correspond totalement à notre vision des choses. Et le fait qu'ils veulent jouer un rôle pivot dans ce qui se dessine au sein des BRICS. Le président Lula s'est offert un véritable bain de foule. Moment de communion avec des dizaines de milliers de sympathisants du Parti des travailleurs acquis à sa cause. L'instant est suivi du deuxième acte de la cérémonie. La réception de l'écharpe présidentielle sur l'esplanade des ministères au cœur de Brasilia. Juste après, le Premier ministre lui transmet les félicitations du chef de l'État et du peuple malien. Les deux personnalités échangent quelques mots fraternels et se donnent rendez-vous ce lundi pour un tête-à-tête. Un volet festif était également au programme avec de nombreux concerts géants à travers la capitale brésilienne.